Salut tout, on se retrouve sur un nouveau jeu, présentation de jeu. Je vais faire au moins une série sur ce jeu de quelques épisodes d'à peu près une demi-heure. Voilà, ça s'appelle Railway Empire, comme vous le souhaitez. J'ai déjà fait la campagne qui, franchement, ressemble à un tuto pour nous apprendre à comment jouer. C'est un jeu qui coûte, je sais, j'ai plus le chiffre exact, mais entre 20 et 30 euros, disponible sur Steam, Epic Games et sûrement d'autres. On va faire un scénario. Je trouve que c'est intéressant les scénarios. Par exemple, l'Ouest, j'ai pas encore fait beaucoup de scénarios. Ruée vers l'or, ça peut être sympa. Alors, c'est un jeu où on gère un réseau ferroviaire des débuts du chemin de fer jusqu'au réseau ferroviaire géant qui permet la croissance économique de toutes les villes. L'augmentation du nombre d'habitants, les usines deviennent plus grandes, voilà, etc. Par rapport aux diligences qui sont assez lentes et pas forcément très confortables ni très pratiques pour transporter des gros chargements. Donc, ruée vers l'or. Après les premières découvertes de pépites d'or, des centaines de milliers de personnes affluèrent en Californie, espérant faire fortune. Mais il n'y a pas que l'or qui est exploité, apportant de la richesse à l'état ensoleillé. Toute la région connaît une croissance économique exponentielle. Imaginez ce qui se serait passé si un homme d'affaires ingénieux avait déjà construit un empire ferroviaire en Californie à l'époque. Eh ben, on va le construire. Voilà. Alors, j'ai pas d'opposants. Ok. On va Ensemble, rester en nous truc devons tous classique. les vaincre. Donc, il y a une série de personnages qui ont chacun des avantages et des désavantages. Celui-là, il a un désavantage qui, pour moi, est trop grave dans la mesure où on va s'installer en Californie, que les ponts et les tunnels coûtent très cher, et que là, ça va me coûter encore plus cher. Donc je préfère éviter. Nous les renverrons chez eux dans des sacs morts. Et ils ont chacun D'accord, leur... entre les jambes. voilà, et ils ont chacun leur personnalité propre. Lui, c'est un peu un escroc, le gangster, c'est très adapté. Il rapporte plus sur les marchandises, mais je trouve qu'il y en a des Allons-y. plus Et forts. Niles, nous Donc il y en allons a les toute une mener par le série. bout du nez. Voilà, elle est la moins sur les enchères. Il est Elle, sûrement elle a un inconscient que débonus. je suis le meilleur choix. Tu es le meilleur choix si je décide de miser sur les passagers, ce qui n'est pas trop mon cas généralement. Voilà, sachant que c'est pour miser sur les trains de passagers. Il y a deux façons de Rien gagner ne des peut sous. arrêter les progrès de la technologie. Il y a transporter des marchandises et transporter des passagers et du courrier. Et l'ingénieur, il a des locomotives moins chères, des bâtiments de maintenance gratuits. C'est assez sympa, n'empêche. Mais l'amélioration des commerces coûte très cher. On peut tenter l'ingénieur. La Je serais navigation est passé sur... coûteuse, tableaux, chiffres et faits concrets. Spontanément, je serais passé sur l'industriel qui a des trucs sympas. Mais sur les usines, mais on Totalement va rester sympa, sur merci. l'ingénieur. Qu'est-ce que je disais? On s'en fiche. Allons, roulons. Alors, on commence. On est. Ah, un autre mercenaire. Ou alors êtes-vous un homme d'affaires ayant le don de flairer les opérations rentables? J'imagine que de nombreux chercheurs d'or paieraient une belle somme afin de ne pas avoir à marcher pour rejoindre leurs concessions. Vos belles locomotives seront exactement ce qu'il leur faut. J'ai consigné tout ce que vous avez besoin de savoir dans la liste des tâches. Bonne chance. Ok. Donc le truc classique des scénarios, c'est un bonhomme qui vient nous parler, il nous explique un peu le contexte, et après on a une liste de missions qui sont adaptées. On commence sur ce genre de carte. Donc là, c'est l'ouest des États-Unis, avec San Francisco, Los Angeles, d'autres villes que je connais moins, mais voilà. Chaque ville commence avec une usine dans le scénario. Pas toujours le cas. Donc il y a les usines de bière et les usines qui traitent les vaches, des abattoirs on va dire, qui font de la viande et du cuir. Voilà. Alors au sud on a exclusivement des usines qui font de la viande et au nord on a... Oh là, je sais pas pourquoi. C'est pas super fluide. Je sais pas si c'est la vidéo ou quoi, mais... Bref, et au nord, on a des usines qui font de la bière, qui ont besoin de graines pour fabriquer leur bière.
Un truc intéressant au début, c'est de tout de suite connecter des villes qui produisent de la viande et des villes qui produisent de la bière, ou Carlson City, pour qu'elles s'agrandissent les unes les autres. L'objectif étant de faire grandir les villes pour pouvoir leur passer plus de marchandises et pour satisfaire les besoins des gens et satisfaire les besoins de la population. Ils ont besoin de tout ça. Ça permet de faire grandir les villes, justement. On commence avec une gare à San Francisco. On a des missions un peu particulières. Il faut relier San Francisco, Sacha et Carlson City, transporter plein de marchandises, 5000 passagers, transporter 200 d'or. Limite, celle-là, je la ferai si je transporte que de l'or. Ça va être facile. Atteindre une population très importante à Carlson City. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'elle est de l'autre côté de la montagne. Ça va pas m'arranger. Produire de l'alcool. Faire une liaison express pour les voyageurs et le courrier entre San Francisco et Los Angeles. Ok, ça va juste être une longue voie, c'est pas forcément gênant. Et 8 villes ayant une population d'au moins 80 000 habitants, ça c'est un peu compliqué. 2 villes, 3 villes, c'est facile. 8 villes, je trouve ça compliqué. Et puis mission facultative, celle-là je pense que je la ferai pas. Et université à Los Angeles, quand on a des sous, c'est facile. Ah, alors il y a de l'or qui a été trouvé. Norfolk et Carlson City. Un marcheur tombe sur une pépite d'or. Peu après la découverte de nouvelles veines d'or, les camps de mineurs de Norfolk et de Carlson City sont devenus de vraies petites villes. Le futur de ces villes dépendra des infrastructures et approvisionnements qu'ils arriveront à mettre en place dans le futur. Un raccordement au chemin de fer, par exemple, rapporterait sûrement beaucoup à ces petites villes. Voilà, bon après il y a d'autres trucs de journaux plus classiques. Je pense que je ne les lirai pas systématiquement. Donc, notre première étape, ça va être de faire des lignes rentables. Les lignes rentables, comme je disais tout à l'heure, il y a deux choses à transporter, soit de ville à ville du courrier et des passagers, soit de lieu de production à ville des marchandises, ou de ville à ville des marchandises fabriquées. Voilà. Pour ça, on a besoin de certaines choses dans les villes. Au début, on a besoin, si on a une usine de viande, c'est le cas de San Francisco et de Sacramento, de bétail. On a toujours besoin de maïs, on a besoin de sucre après 30 000 habitants, on a toujours besoin de blé, on a besoin de plus de blé quand on produit de la bière, on a besoin de légumes et de fruits que plus tard. Pour l'instant, j'ai pas des villes assez grosses. Le lait, le coton pour faire des vêtements, c'est aussi des choses qui viendront plus tard. Voilà. Je vais commencer par connecter le bétail à San Francisco et Sacramento en faisant un entrepôt qu'on va faire de grande taille directe, peut-être, pourquoi pas. Ça coûte assez cher. Je vais commencer par un entrepôt classique. Alors, j'essaye de le mettre le plus proche des villes possible, comme vous voyez. Ah, dans l'autre sens, ça marchait. Alors, toc. Hop. On va relier San Francisco à l'entrepôt. Donc, spontanément, lui, il propose le chemin le plus court en limitant les pentes. Ce qui, pour mon cas, ne va pas trop me plaire. D'ailleurs, on va un poil tricher en changeant la gare de position. On va garder une grande gare pour je la mets un peu plus avancée, hop, et un peu plus tournée, hop, voilà. Donc on va relier l'entrepôt et San Francisco, ça reste du très classique, et je vais malheureusement augmenter le dénivelé pour éviter d'avoir à faire un pont, parce que les ponts coûtent très très cher. Là je paye plus que 26 000, que si je vire ce petit bout là, je paye rien que 88 000 avec le pont. Voilà. Donc, on va essayer de limiter autant que possible les ponts. Donc, une première connexion à l'entrepôt. Ensuite, on va faire une gare à Sacramento qu'on va orienter comme ceci pour qu'elle puisse être connectée à l'entrepôt. Autre voie. Ou pas. Voilà, hésitant. Non, à l'autre voie. On va se brancher ici. Là, ça va me coûter beaucoup trop cher en pont. On va devoir tricher un peu. Alors, pas de tunnel, s'il vous plaît. Ça nous fait 18. Oh, 5, c'est pas mal ça.
3 seulement. On a du 13 par là. Hop, 4, ça me convient. Ça coûte pas trop trop cher en pont. 12 de dénivelé, c'est un peu embêtant pour les trains, mais on va faire avec. On va tout de suite ajouter notre première ligne qui va faire. Alors, attendez. J'ai fait un bâtiment un peu spécial. L'entrepôt. Hop. Alors, maintenant on peut. Donc l'entrepôt, il est connecté au bétail. Donc pour l'instant, il stocke du bétail. Plus tard, j'ai dans l'optique de connecter le maïs, peut-être même le sucre à l'entrepôt, de façon à ce que les marchandises puissent aller vers Sacramento et vers San Francisco sans avoir à faire plein d'allers-retours en les stockant temporairement à l'entrepôt. Et vice-versa, les légumes et les fruits, plus tard, ils seront connectés aussi à l'entrepôt. C'est pour ça que je mets un entrepôt. Sinon, on peut se contenter de mettre une petite gare. Donc, on va faire notre première ligne qui va faire de l'entrepôt vers San Francisco avec une locomotive. Vraiment pas chère, la locomotive, ça c'est chouette, c'est l'effet du perso. Et dans l'autre sens également. On va leur mettre des petits signaux, de façon à ce que les trains puissent plus efficacement se partager les voies. Hop. Et hop. Ensuite, on va essayer de se relier à Sacha qui produit de la bière. Pour ça, on va mettre une gare à Sacha qu'on va tourner comme ça par exemple. J'essaie de la tourner. Je sais que je vais aller piocher le bois et probablement ce biais là parce que celui-là il est bien, même s'il a l'air plus proche, il est bien isolé. Celui-là aussi il est bien isolé à cet endroit-là, mais il y a moyen de faire un détour par là sans trop avoir de dénivelé. Donc on va connecter Sacramento et Sacha par exemple en évitant les ponts autant que possible. Ça me convient tout à fait, cette petite ligne bien droite en plus. On va mettre des petits signaux. Hop. Un nouveau train qui va faire Sacha Sacramento. C'est parti. Hop, il va se charger de bière et il fera le retour avec de la viande, peut-être des passagers, s'il y en a qui veulent tenter l'expérience. Et de ce côté-là, on va aller se brancher à Sacramento, si possible en utilisant le même pont. Comment je vais faire ça, moi? Ou alors sans utiliser le même pont. Alors, par contre, je peux pas me permettre de faire un tunnel qui me coûterait les yeux de la tête. Non, on va pas construire comme ça. On va tenter de passer par là, par exemple. Toc. On est pas mal. Le pont coûte que 18 000. C'est très très raisonnable. 4%, 1%, dénivelé très très raisonnable. Donc, San Francisco, Sacramento par exemple, locomotive, celle-là elle va surtout transporter les passagers, ça me convient. Et on va relier San Francisco. Ça me fait encore un pont, bon c'est pas très grave. On va longer la voie d'à côté. Ok, par là alors. Juste à côté. Oups. Et aller jusqu'à Sacha. Pour l'instant, je fais des trains qui ont leur voie propre. C'est intentionnel. C'est pour. Là, 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 je m'y perds dans mes pensées. C'est pour éviter d'avoir un train qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre sens, et oh, ils se retrouvent bloqués. Et les doubles voies, c'est bien, mais je trouve que ça a pas mal de désavantages. Donc. Au début, j'ai tendance à faire des voies sens unique, un seul train qui roule dessus, sauf aux embouchures parce que ça me fait quand même des économies importantes. Alors, et du coup, on peut faire un nouveau train qui fasse Sacha, San Francisco. Hop, tchoc, petite pause. Il me manque les signaux ici. Vu qu'on a deux voies, on va dire au train. Donc les signaux, comment ça marche? Il y a deux trains qui peuvent arriver pour se garer sur la même zone. Et bon, on leur dit, vous pouvez vous arrêter ici et vous pouvez vous arrêter ici. Si on leur dit pas ça, ils sont pas super malins et ils restent
aussi loin que avant le prochain signal. Donc si le signal est là et qu'il n'y a pas celui-là, le train sur cette ligne-là, il va s'arrêter là, ce qui est un peu loin, vu le trajet qu'il pourrait faire. Et s'il n'y a en plus pas ce signal-là, il va carrément s'arrêter dans la ville à Sacramento. Ça m'arrange pas du tout. Donc, autant que possible, je dis au train, vous vous arrêtez avant. Aussi loin que, en allant aussi loin que possible. Je suis en train de me dire que je devrais peut-être investir tout de suite dans la liaison avec Carlson City. Non, on fera plus tard. Donc déjà, on a relié les bœufs à San Francisco et à Sacramento, les trois villes ensemble, chacune l'une avec l'autre, et il va nous manquer une connexion avec du blé pour Sacha, pour qu'ils puissent fabriquer leur bière. Alors, si ça veut bien. Voilà, ça m'arrange pas trop que ça tourne dans ce sens-là, mais le terrain fait que je suis un peu quand même forcé. Alors, poc, poc, poc. On va la connecter là, on va dire que le bois, je le connecterai après sur l'autre branche. Comme vous le voyez, les tunnels, ça coûte excessivement cher. Les ponts, c'est pas mal aussi. Donc on va tenter de limiter autant que possible les ponts et les tunnels. Ça monte un peu rude, mais j'ai pas tellement de meilleures options. Et le terrassement, comparé au tunnel, ça coûte pas très cher. Là, on a du 11, on va couper en deux, par exemple. Hop, hop, hop. Je joue un peu sur le dénivelé pour tenter de limiter la pente, même si ça augmente le coût. Ah, et j'ai pas les sous qu'il faut, bien sûr. C'est pas grave. On fera ça plus tard. Ah, et sur cette ligne Sacha San Francisco, je veux que vous me transportiez de l'or en priorité. De façon à ce que San Francisco puisse récupérer de l'or. Parce que moi j'ai la mission transporter 200 d'or à accomplir. Voilà, dans les missions, je pense que la difficile, ça va être 80 000. Dans 8 villes, surtout. 100 000 à Carlson City, ça va le faire. Quand Carlson City sera connecté au reste, vous avez vu le tunnel qui coûtait 1,5 million, et ben faire un tunnel entre Sacramento et Carlson City, ça va coûter à peu près 1 million. Donc je me presse pas beaucoup. Ensuite, j'ai un personnage qui a un effet un peu gentil, qui fait que les bâtiments de maintenance coûtent 0. Donc on va en profiter pour en mettre partout où ça peut servir. Les bâtiments de maintenance vont nous permettre de réparer les trains. Chaque train, si j'en chope un, a une barre d'état. Quand elle est trop abîmée, il perd de la vie. Voilà la condition du train, voilà. Et il a de l'eau, du pétrole et du sable. Le pétrole, il l'use en roulant. Ça peut être du charbon aussi, de temps en temps. Le sable, il l'utilise dans les pentes pour ne pas glisser. Il verse du sable sur les rails pour augmenter la friction avec la voie. Sans quoi, il pédale dans la semoule, comme s'il pédalait dans la boue. Et l'eau, ça sert à faire tourner la machine à vapeur, tout simplement. Alors, j'ai plus de sous, pas encore ce qu'il faut. On va tenter un truc, c'est qu'on va faire des emprunts. Je fais ça quand j'ai pas beaucoup de sous en début de partie. Bon, je peux pas emprunter des sommes colossales. Mais ça va me permettre de faire cette voie-là. Et peut-être la connexion avec Carlson City, qui est une de mes missions. Oups, je voulais faire des voies plutôt. Ça me convient presque. On va prendre ça plutôt. Un Hop. départ dans la bonne direction. Hop. Les premières villes seront reliées entre elles. Voilà. Comme j'ai terminé la tâche en moitié moins de temps que ce qui m'était accordé, j'ai le score maximum sur la tâche. Si je traîne trop, ça rapporte moins de score. Si je traîne vraiment, vraiment trop, c'est-à-dire si jamais l'année 1852 se finit avant que j'ai transporté mes wagons de marchandises, eh ben, je perds le scénario. Donc, on va tenter d'éviter ça. Alors, la Californie est un État fédéral. Voilà, il y a plein de pages de journal. J'avoue que j'ai tendance à ne pas les lire complètement. Je tenterai d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Donc, à Reed Manoir, il va nous falloir des petits signaux pour que les trains
aille toujours dans les bons sens. Voilà. Enfin, pour que les trains circulent autant que possible plutôt. Ensuite, une ligne Ride Manoir, Carlson City. Pouk. Ride Manoir, Sacha. Sacheta. Pour l'instant, il attend que la voie soit dégagée. Mais dès que celui-là aura passé complètement le signal, il considérera que c'est bon, il peut y aller. Paf. C'est parti. Il va aussi se charger plein en blé. Voilà, ça a commencé à nous faire grandir les villes comme ça. Je crois que je l'alimente avec le bois aussi. Sacheta. Et on va pouvoir commencer à faire les premières études de rentabilité. Pour l'instant, Sacha Sacramento, ça rapporte beaucoup, mais si jamais il transporte avec un de bétail, ça va ne pas servir à grand-chose. On va lui dire de ne pas sortir de l'entrepôt. Je vais profiter du fait qu'ils ont une voie chacun pour leur dire, vous ne sortez pas de l'entrepôt tant que vous n'avez pas... Oups, c'est pas le bon bouton. Tant que vous n'avez pas 8 wagons chargés. Ça permet d'économiser des matériaux sur le circuit et ça permet de limiter l'utilisation des voies. Pour l'instant, il est tout seul sur sa voie, mais bientôt il ne le sera plus. On va faire une petite gare qui va aller transporter. Ah, c'est vrai qu'il faudra que je fasse grossir l'entrepôt pour avoir une voie de plus. Bon, c'est pas très grave. Alors. J'aimerais connecter les deux à la fois. Donc, on va... Comment je vais faire ça, moi? Est-ce que si je mettais une grande gare, je pourrais pas connecter les deux à la fois? Si. Presque tendance à me dire... Ce serait mieux. Non, on va les laisser petits pour l'instant. Au pire, je changerai. Je peux vendre les trucs que j'ai fait construire et ça rapporte autant. Hop, on va en prêter un peu plus. Ça rapporte autant que ce que ça m'a coûté. Ce qui est quand même assez pratique pour prévoir tout ce qu'on veut. Alors, l'entrepôt, on va le faire grandir pour avoir deux voies de plus. Et ensuite, on va connecter ces deux voies supplémentaires en limitant autant que possible les... Les ponts et les tunnels, comme d'habitude. 6, 6, 15. Bon, c'est pas idéal. Comme ça, on va longer la voie. Puis, aller se brancher ici. Sans passer. Alors, comment je vais faire ça, moi? Ok. Sans passer par une étape. On va dire que c'est pas mal comme ça. Sans passer par une étape de tunnel. Ah, j'ai pas les sous. Bon, on va attendre un peu. Mais je peux faire Walker Ferme entrepôt. Ah, et attendez. Yep, 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 yep. Il va pas se charger parce qu'à l'entrepôt, j'ai pas dit qu'on prenait ça et le sucre. Voilà. On en prend autant que possible d'ailleurs. Ah, du coup, il nous fait un premier trajet vide. Ok. On va le relancer. Pareil. Maintenant, tu roules plein, s'il te plaît. Merci. Et l'autre. Alors, on va remettre les signaux. Même si pour l'instant, les voies sont pas partagées. Parfois, j'oublie. Et ça baisse drastiquement mon efficacité de réseau. Je préfère éviter ça. Ok. Parker ferme, entrepôt. Clic, c'est parti. Et du coup, ces trains-là, qui sont pas souvent très chargés, ils vont pouvoir se charger en plus en blé. Je ne sais pas si ici on a besoin de... On n'a pas encore besoin de sucre, mais ça va pas tarder si la ville grossit un peu. Voilà. Ah, Sacha, je pense qu'ils vont être saturés en viande. Ah, ils sont saturés en bière, donc faudrait venir piocher la bière. Parce que lui, il prend de l'or. Ah, je vois. Ah, j'ai une ligne express, ça va rapporter plus normalement de les transporter d'un point à l'autre.
On va pouvoir voir combien ça me rapporte. Tout le monde descend. Vingt-quatre mille. Ok, c'est pas mal. Sachant que le classique, c'est 16 000 quand on transporte des marchandises. On peut avoir bien mieux que 24 000, mais ça doit quand même être un de mes trains les plus rentables. Si je les classe par... Ah, c'est Sacha Sacramento le plus rentable. Ah bah c'est lui justement. Entrepôt San Francisco, il est pas mal. Et les moins rentables, c'est Entrepôt Sacramento. Ah, pourquoi pas. Ah, et j'oubliais de mettre des tours d'assemblage. Puisque les trains, ils ont besoin de réparation. Ça, j'en ai mis des bâtiments partout. Et ils ont besoin d'eau, de pétrole et de sable. Parfois, c'est du charbon. Parfois, c'est du gasoil quand on avance beaucoup dans le temps. L'eau et le pétrole, c'est pour la combustion. Et le sable, c'est pour... on en a plus besoin quand on est en montée. C'est pour augmenter l'adhérence du train, des roues du train avec les voies. Voilà. Donc, comme j'ai construit tous mes trains un peu en même temps, ils sont en train de tomber en manque tous en même temps. Alors lui, il va en avoir sur son parcours de ce côté-là, donc on va pas lui en mettre. Lui, on va lui en mettre là. Eux deux, on va leur en mettre en même temps. Alors, on a du sucre qui file. Matériaux fonctionnels, mon camp. Bah, ton prochain aller-retour, t'en auras, t'inquiète. J'en ai pas mis ici. Ah, il y a Carlson City, j'ai pas construit. Hop, c'est pas ça. Deux bâtiments de maintenance, c'est fait. Toi aussi, t'as besoin de matériaux fonctionnels. Ouais. Voilà, donc on a eu la première mission. La deuxième, ça va se faire, probablement bien avant que le temps soit passé. Passager, je suis moins haut, mais ça avance quand même bien. L'or, c'est un peu lent. Est-ce que je sais déjà plus si j'ai fait ça? J'ai dit, prenez l'or en priorité. Oui. Et il faudrait aussi tirer l'or de Carlson City, en théorie. Ici, j'ai beaucoup de voyageurs qui vont aller à Sacha et à Carlson. Et à Sacha, j'ai beaucoup qui vont aller à Carlson City. Sacha, Carlson City. Carlson City, Sacha, c'est des villes qui attirent énormément de passagers. Donc j'ai intérêt à faire des grosses lignes de transfert de passagers rapides. Matériaux fonctionnels manquants, ouais, je vois. Ça veut dire que je pourrais déjà commencer par doubler cette voie-là. Sacramento, il a aussi beaucoup de gens qui veulent aller à Carlson City. Beaucoup, beaucoup plus à Carlson City, mais beaucoup à Sacha. Il va falloir que je fasse grossir les voies. C'est peut-être pour ça que le train est bien rentable en plus. Donc grossir les voies, c'est relativement élémentaire. Je double la voie, sauf à l'intersection. Pour l'instant, j'ai pas les sous. Une fois que c'est fait, j'impose un sens de circulation. J'ai tendance à dire tout le monde roule à droite. Si je sais que c'est l'inverse pour les trains normalement, en tout cas en France. Et après, roule ma poule. Ça devrait permettre de récupérer beaucoup de sous, de bien connecter avec plein de trains. Sacramento, Sacha, San Francisco, Sacha, Carlson City, Sacramento, Carlson City, San Francisco. Et les deux ensemble. Alors, je vois que j'ai des points de recherche. Il y a également un arbre de recherche qui permet d'acheter des nouveaux trains, des bonus divers et variés. On va s'acheter un nouveau train. Dans la mesure où j'ai une grosse, grosse réduction sur le prix des trains. Je peux remplacer mes locomotives pour vraiment pas cher. Sachant que elle fait du accélération 100%, 69 de puissance de traction, c'est mieux. Vitesse, ça monte un peu. Score des passagers, ça diminue. Ah. Ah, ah, ah. Je sais pas si je vais remplacer toutes mes locomotives du coup. Alors, j'avais une voie à dupliquer. J'ai pas encore les sous. Faut que je fasse un tour d'assemblage de ce côté-là. Je pense qu'ici j'en ai aussi besoin d'une. Ah, il en manque une ici.
Est-ce que ici ils ont le maïs et le sucre qu'il leur faut? Oui. Là-bas, ils n'ont pas encore besoin de sucre, le maïs c'est bon. Et du coup la ville grandit et ils vont bientôt. C'est bon, ils ont besoin de sucre. Ah, ils en ont un peu en stock. Ils ont pas le blé par contre, mais le blé est loin. Alors, nombre de passagers dans les villes où hop, c'est acheté. Comme je suis tout seul dans la partie, c'est beaucoup plus facile d'avoir les enchères que quand j'ai des concurrents. Bon bah ça se passe pas mal pour l'instant. J'ai quelques trains. Ah, j'ai plus de trains très très rentables. Je pense que c'est une histoire de vitesse. Donc on va quand même changer tous mes trains. Si le train va pas assez vite, les passagers considèrent que c'est pas une ligne express. Et donc ça ne vaut pas la peine de payer cher pour et ils valent pas plus que des marchandises transportées. Ils valent même moins, ce qui est un peu embêtant. San Francisco, Sacramento, c'est pas le grand trafic. Non, c'est de ce côté-là. San Francisco, c'est Sacramento qu'il faut chercher. 17 passagers par semaine. Et un peu de courrier. Donc j'ai toujours pas dupliqué ma voix, ce serait pas mal que je le fasse quand j'aurai un poil plus de sous. La Falle fabrique à toute vapeur, on a battu un record. Hop. On va bientôt passer le cap des marchandises. J'espère que c'est suffisamment en avance. Passagers, ça va le faire. L'or, il faut Vous que avez j'augmente déjà le transporté une trafic. grande quantité de marchandises. En effet. Je vous remercie de l'avoir remarqué. Alcool, j'ai pas encore de besoin. Quand j'aurai besoin des besoins, il me faudra des fruits et du sucre. Donc probablement que Sacramento ou San Francisco fera de l'alcool parce qu'il n'y a pas de fruits là-haut. Des fruits en bas, sinon. Ah, du fruit et du sucre, il y en a juste là. Je pourrais connecter Body sinon. Bon. J'ai assez pour dupliquer la voie. Donc ensuite, on dit sur cette ligne-là, vous pouvez vous arrêter là et vous devez circuler dans ce sens-là. Et vous pouvez vous arrêter tout au long de la voie, autant que nécessaire. De l'autre côté, vous devez circuler dans ce sens-là. Vous pouvez vous arrêter tout au long de la voie. Pareil après la tour d'assemblage, ça s'appelle. Et donc, lui, il circule dans le bon sens. Ok, on va. Ah, pas beaucoup de sous. Allez, encore un poil. Oh. Ah, j'ai perdu des sous. C'est besoin de maintenance des trains qui coûtent quand même. Hop, dupliqué. Sacha Sacramento, nouveau train. Je pourrais aussi dupliquer San Francisco Sacha, comme ça on pourrait transporter beaucoup d'or. On envoie des passagers vers Sacha. Sacha, c'est bien Sacha, hein. Que je dise pas de bêtises en tentant de me corriger. Ouais. Parce que San Francisco, ils veulent envoyer des gens à Sachta et ils veulent récupérer de l'or. Et vice-versa. Sachta, ça l'intéresse pas tellement d'aller à San Francisco. Mais il a de l'or produit à écouler. Enfin, beaucoup même. Ah, Sachta a monté de niveau. Super. Sur la bonne route pour voir mes. Là, j'aurai 4 villes déjà. 80 000. Bon, Carlson City, elle est mal desservie donc. Il faudra que je fasse ce tunnel, mais pour l'instant j'ai besoin de routes qui rapportent plus. Il faudra que je le fasse relativement tôt. Les passagers, ça va aller assez vite. Ça peut se faire facilement. Je pense que je le ferai bien avant 1860. Alors, on a un peu de sous. Ça pourrait être l'occasion de doubler une ligne. Celle-là, il m'a pas. J'ai pas l'impression qu'il circule avec beaucoup de monde. Donc on va pas pousser le truc. Entrepôt. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut? Oui. On manque de bétail. Le train arrive.
Ça devrait aller. Quand est-ce qu'on va avoir besoin de légumes et de fruits? À 50 000, grosso modo, j'aurai légumes, fruits et lait à tirer probablement vers l'entrepôt, justement. Et potentiellement, je pourrais connecter pour le maïs et le sucre Carlson City via l'entrepôt ou des choses comme ça. Toc, toc, toc. Ça roule. Est-ce que le deuxième train rapporte? Il n'a pas dû faire l'aller-retour encore, donc je ne sais pas combien va rapporter. On va connecter la petite station de bois qui est ici. Hop, j'y arrive. Eps. Ça coûte cher. Ah, il y a un tunnel. Y a un tout petit bout de tunnel et ça coûte excessivement cher. Toc. On va y mettre un train. Voilà, on va mettre des signaux pour pas que les trains se gênent les uns les autres. Hop, non, c'était dans le bon sens. Hop, et roule ma poule. Et on va déplacer. Ah, tchoc. La tour d'assemblage. Pour la mettre à un endroit. Ah oui, du coup j'ai réinitialisé un train, c'est pas grave. Ouh, elle sert à deux voies à la fois. Alors, j'aurai un train express bientôt. Ah, ça peut être intéressant. Théoriquement, mon personnage coûte moins une réduction de 70% sur les locomotives. Si j'achète ça, elles me seront gratuites ou c'est 30% sur le montant qui me reste à payer? Ce serait ouf d'avoir des locomotives gratuites. Je pense que c'est 30% sur le montant qu'il me reste à payer. Ah, très bien, ça rapporte beaucoup. Donc on va continuer à le dupliquer. Supposons que c'est-à-dire qu'il y a encore du monde pour faire le trajet. Ah, mais dans ce sens-là, c'est moins utile. Ouais, peut-être que la ligne sur laquelle que je devrais surcharger, c'est Sagetta San Francisco plutôt. En tout cas, on verra ça pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans quelques jours si vous regardez l'épisode à la sortie. Sinon, vous l'avez directement dans la playlist de la chaîne. Ciao!